hasn't been what I hoped for. So here am I, I rest my soul. Yeah, yeah, yeah. Joy, 'cause I can't seem to find it no more. And it's never them you are so defending them, I just know. But I can change. But after all this time, I still don't know. It hasn't been what I hoped for. Ok. Bien, je vais vous demander de bien vouloir prendre place puisque nous allons ouvrir ces assises de l'élevage et de l'alimentation. À tout à l'heure. On y va. Il y a eu trop de décennies où on se promenait en tapotant les vaches, pour parler pudiquement, où tout se passait bien et où derrière, en fait, ça se passait pas si bien au quotidien. Alors, il n'y aura pas de miracle, je vous rassure, ni demain, ni le mois prochain, ni dans 2 mois, ni dans 3 mois. Je ne fais pas de miracle.
Je ne comprends pas que nous assistions globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncée. On s'évertue à entretenir, voire à réanimer, un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres. C'est pas finalement trop ce qu'on mange et c'est pas normal. La valeur ajoutée, l'ouverture, la planète. Ce triptyque sur lequel je crois que nous pouvons construire le nouveau visage de l'agriculture française en étant conforme à nos valeurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Terre 2018, les troisièmes assises de l'élevage et de l'alimentation organisées, vous le savez, par le groupe Ouest France. Une troisième édition qui fera le point dans un instant donc, sur les états généraux de l'alimentation. Après-demain, vous le savez, sera votée à l'Assemblée nationale la loi agriculture et alimentation. Durant cette journée dont vous avez le programme, nous parlerons, un programme très dense d'ailleurs, nous parlerons des relations entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Et puis nous aborderons également de nombreux dossiers qui font l'actualité actuellement, notamment dans le monde agricole et agroalimentaire, que ce soit le bio, les OGM, je crois que Ouest France en parlait ce matin dans son édito qui fait pas mal de bruit, les pesticides, de nombreux intervenants donc, qui vont se succéder durant cette journée sur cette belle scène du couvent des Jacobins que nous remercions de nous accueillir. Sachez également donc que vous pourrez intervenir à l'issue des tables rondes, si nous en avons le temps, en posant vos questions. Alors, il y a trois façons de poser des questions. Soit par SMS avec le numéro qui s'inscrit, c'est le 07 67 2 x 2956, on vous le mettra plusieurs fois, soit via Twitter en tapant le hashtag Terre2018, ou alors en prenant une photo de ce QR code qui est à gauche de l'écran, et qui, lorsque vous visionnez ce QR code avec votre mobile, eh bien, il y a une fenêtre SMS qui s'ouvre et vous pouvez directement taper vos questions dans cette fenêtre. Voilà. Et puis nous pourrons également vous donner le micro à l'issue de chacune des tables rondes. Alors, avant d'ouvrir cette journée, on va remercier également les partenaires sans qui, bien sûr, ces assises ne pourraient pas avoir lieu. Ces partenaires qui nous accompagnent maintenant depuis trois éditions, la région Bretagne, Even, La Coperle, Holmix Group, Intermarché, Groupama, Loué, Le Gaulois, Fidal, Rennes Métropole, Le Spas, Web Agri, La France Agricole, Les Jeunes Agriculteurs et Cuma Ouest. Merci donc à eux de nous soutenir. Et maintenant, pour ouvrir donc officiellement ces assises, merci d'accueillir Loïc Chenet-Girard, le président du Conseil régional de Bretagne. Merci de l'accueillir comme il se doit. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, monsieur Chenet-Girard, on va reparler de Ouest France, puisque vous avez écrit une tribune dans Ouest France il y a quelques jours, je crois que c'était il y a une semaine ou il y a une dizaine de jours, et dans laquelle vous parlez évidemment de la nécessaire mutation du monde agricole, et votre souhait, c'est que la Bretagne devienne le leader du bien manger. Donc, avant de parler finalement du monde agricole, vous avez d'abord parlé alimentation. Je crois que dans la période que nous traversons, que nous vivons, il faut revenir aux fondamentaux. Et la demande de nos concitoyens, notre demande à tous finalement, nous l'avons vécu cet été, je l'espère tous en famille, c'est de profiter de la vie. Et pour profiter de la vie, il faut
qu'au moment du repas, il y ait un moment agréable qui se passe. Et ce moment agréable qui se passe, il se passe généralement d'autant mieux que ce que nous avons dans l'assiette est conforme à ce que nous imaginons, à notre imaginaire construit depuis finalement des dizaines, voire des centaines d'années. Et le positionnement du bien manger est conforme à l'image de la Bretagne. Le positionnement du bien manger est conforme à l'idée que l'on se fait du vivre ensemble. Et je crois que c'est un beau pari et que les Bretonnes et les Bretons l'attendent et que nos agriculteurs, au regard des efforts qu'ils ont faits depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, sont en train de s'organiser pour répondre à cette attente. Alors justement, pour accéder à cet objectif, c'est-à-dire faire de la Bretagne le leader du bien manger, il faut que l'agriculture se réinvente ou poursuive sa mutation. C'est quoi les leviers principaux sur lesquels la Bretagne doit agir en priorité ? Mais nos agriculteurs, depuis l'après-guerre, se réinventent sans cesse. Je le dis, je le redis à ceux qui, par moment condamnent ou par moment jugent sans connaître le monde agricole, que depuis l'après-guerre, l'État, les Français et l'Europe ont assigné aux agriculteurs des injonctions, quelquefois contradictoires, mais fortes, nourrir les hommes après-guerre, accélérer la capacité de production pour faire baisser les prix et faire en sorte que les hommes et les femmes puissent accéder à ces matières premières et à ces produits animaux et végétaux, puis ensuite faire en sorte de résoudre les grandes crises que nous avons connues, les crises sanitaires, les crises des algues vertes, et à chaque fois, les agriculteurs ont été au rendez-vous. Ce n'est pas simple, c'est difficile, mais ils ont été au rendez-vous. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles demandes, de nouvelles injonctions, de nouvelles demandes sociales, de nouvelles exigences sociales qui sont ici devant nous, qui vont quelquefois plus vite d'ailleurs que les politiques, et qui nécessitent de nous préparer, de nous organiser. C'est ce que font les agriculteurs, c'est ce que font les groupes agroalimentaires, et c'est ce que la grande distribution est en train de s'apprêter à faire, regarder les débats en cours. Alors après, il y a le sujet du prix, il y a le sujet de la répartition de la valeur, ouais. Il y a le sujet du modèle économique, et puis il y a le sujet aussi de la capacité des agriculteurs à vivre de leur travail. C'est la base. Et faire tous ces discours-là sans se préoccuper du modèle économique et de la capacité de nos agriculteurs à vivre serait vain. Mais l'ambition de la Bretagne, c'est bien entendu de rester fier de notre agriculture, de notre agroalimentaire et d'accompagner. Est-ce qu'il y a un modèle plus qu'un autre à soutenir ? Il n'y a pas de modèle plus qu'un autre. Le slogan ou la baseline que nous utilisons au niveau du Conseil régional de Bretagne, c'est l'agriculture bretonne unique et diverse. Unique parce que nous sommes une région atypique en Europe. D'autres régions sont des régions agricoles, mais notre région est particulière dans les régions européennes, et diverse parce que la diversité des modèles est présente en Bretagne, diversité des productions, mais aussi diversité des modèles par rapport, encore une fois, à une agriculture qui doit répondre à une multiplicité des demandes, et on voit bien que la différenciation crée la valeur. Et donc, nous transformons avec nos agriculteurs les modèles agricoles pour aller vers plus de valeur, pour aller vers plus de labels, plus de qualité, plus de traçabilité, pour être plus résilient demain et pour aussi, bien entendu, s'inscrire dans les exigences climatiques. Et donc, ça veut dire moins d'empreintes sur la terre, l'air, l'eau, mais aussi une capacité, pourquoi pas, à être une réponse par rapport aux grands enjeux énergétiques. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un des modèles qui nous trotte dans la tête et sur lequel nous allons mettre des moyens dans les années qui viennent de manière plus forte encore. On parle des agriculteurs, parlons des consommateurs. Est-ce qu'ils ont, selon vous, également un rôle à jouer dans le soutien à leur agriculture ? Mais tout le monde a son rôle à jouer. Tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. On demande beaucoup au monde agricole, on demande beaucoup à l'industrie agroalimentaire. Vous voyez un peu les messages qui sont passés, alors que quand nous allons à l'international, on peut se dire quand même qu'on doit être fier de notre écosystème agro et agri. Et derrière, effectivement, il y a le consommateur. Le consommateur qui demande plus, qui demande des transformations, qui veut du sans OGM, du sans pesticides, qui veut monter en gamme du bio, de la traçabilité, du porc non castré, du porc sur paille, de la vache libre dans le champ, de l'œuf qui ne serait pas né en cage. Il veut tout ça. Et en même temps, il veut des prix bas. Et en même temps, il veut que ça change tout de suite. Et puis en même temps, quand il arrive dans le supermarché, comme je le fais moi-même, il ne regarde pas forcément ce qu'il achète, ou il regarde peut-être plus l'étiquette du prix que l'étiquette des efforts qui ont été faits par les agriculteurs. Et donc à un moment donné, il faut aussi que le consommateur il soit cohérent, et que le consommateur soit cohérent avec le citoyen, que le consommateur soit cohérent quelquefois avec l'électeur, et que le consommateur soit cohérent avec le travailleur. Et si on ne met pas tout ça sur le même plan, on n'y arrive pas. Et donc, sans vouloir donner de leçons, ce n'est pas mon rôle, mais en étant quelque part
celui qui a la capacité de parler aujourd'hui en étant président de région, et c'est un honneur, je redis que le consommateur doit lui aussi de temps en temps faire le choix. Et ce n'est pas forcément un exercice compliqué, c'est un exercice qui peut même être ludique. J'ai rappelé l'expérience extraordinaire de Produits en Bretagne, qui permet de créer de la valeur par la différenciation. J'ai rappelé que un consommateur, quand il n'en a pas les moyens, on ne lui demande pas tous les jours de faire des efforts, mais que de temps en temps, quand il se fait plaisir le week-end, ou quand il veut sur tel ou tel produit faire un effort, il peut le faire. Et puis après, ceux qui ont plus les moyens doivent faire encore plus d'efforts. Voilà. Il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas créer de l'angoisse. C'est assez difficile comme ça pour tout le monde. Mais il y a un chemin, et ce chemin, il peut créer de la valeur en France, créer de la valeur en Bretagne, continuer à donner de la fierté à tous. Et puis, quand on voit le plaisir que c'est, encore une fois, de profiter d'un repas avec des produits dont on imagine la provenance, quelque part, ça donne une fierté qui n'a pas de prix. Et c'est ça mon combat. Une dernière question. Il y a les négociations de la PAC qui vont s'ouvrir, qui ont déjà d'ailleurs commencé. Quelle est la place, comment est-ce que vous voyez la place de la Bretagne dans ces discussions? Est-ce qu'elle doit être force de proposition et à l'avant-garde justement de ce que doit être la future PAC? Nous sommes effectivement force de proposition. Après, il faut rester modeste. Une région parmi 250, avec des enjeux européens aujourd'hui qui, par moments, nous échappent un peu. Nous voyons bien que le sujet PAC pourrait, à un moment donné, être un peu bousculé budgétairement dans les grands équilibres à venir. Mais nous avons fait des propositions raisonnables, qui ne sont pas les propositions du Conseil régional, mais les propositions de la Bretagne, qui ont été travaillées avec les syndicats agricoles, qui ont été travaillées avec les chambres, qui ont été travaillées avec les industriels, pour dire, voilà la vision que nous avons d'une PAC un peu novatrice, qui permette d'assumer cette transformation indispensable. Parce qu'encore une fois, si on n'assume pas ces transformations, nous allons dans un mur qui va nous arriver plus vite qu'on ne le croit, et en même temps être en capacité de vivre avec une PAC qui peut-être sera soit maintenue, soit en légère diminution. Mais sur certains sujets, il y a encore des débats, nous avons des possibilités d'utiliser cette PAC comme un beau levier de transformation du modèle, avec un objectif, encore une fois, c'est de trouver un modèle économique. C'est indispensable et c'est à la base, au cœur du modèle de l'agriculture de Bretagne. Merci Loïc. Merci à vous. Girard, d'être venu ouvrir officiellement ces assises de l'élevage et de l'alimentation. Voilà comment évolue le partage de la marge dans la chaîne alimentaire, comment la répartition des marges est-elle mesurée, comment et pourquoi a-t-elle évolué dans les dernières décennies. Je vais accueillir Jean-Marie Cerroni, agroéconomiste. Merci à lui de nous rejoindre pour un petit exposé sur le partage de la marge. Alors, je vous propose de garder le micro. Vous avez la zapette et vous avez 10 minutes. Si ça veut bien marcher. Tu m'as bien dit que c'est la flèche verte. Hein ? C'était pas la première, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Alors, la valeur alimentaire, comment ça évolue, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les forces qui sont à l'œuvre sur cet élément central sur lequel nous avons tous des idées, parfois des idées préconçues. Vous avez tous en tête, je pense, ce chiffre qu'on entend partout à partir de l'Observatoire des marges, que sur 100 euros de consommation, il y a 15 euros qui va à l'agriculture, 66 euros, donc les deux tiers de la valeur qui sont créés en aval de l'agriculture. Donc ça, c'est une donnée lourde qui évolue assez peu dans la durée. La deuxième idée qu'on a en tête, c'est que la part de consommation des ménages consacrée à l'alimentation baisse régulièrement. Et on en traduit souvent, de manière fausse, que la consommation baisse. C'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'en 50 ans, j'ai essayé, à la demande de l'Ouest de France, de vous trouver des données de long terme. On est passé de, en gros, un peu plus d'un tiers, 35% de consommation des ménages consacrée à l'alimentation, à aujourd'hui à peu près 20%. De l'ensemble des revenus. Mais c'est lié au fait que les revenus augmentent.
Et évidemment, la part de consommation pour les gens modestes dans leur budget est plus importante, mais la valeur absolue qu'ils consacrent à l'alimentation est plus faible que les gens de catégorie de revenus plus importants. Ne nous trompons pas dans l'analyse. Alors de ça, qu'est-ce qu'on peut tirer un peu comme prospective et comme analyse? Premier élément, on a vraisemblablement un problème spécifiquement français quand on regarde l'évolution sur 10 ans de la valeur ajoutée globale alimentaire. Vous l'avez en rouge. Donc en France, ça diminue, alors que en Allemagne, on est à peu près stable, mais notamment l'Espagne, l'Italie et l'Europe, cette valeur augmente. Si on regarde, d'abord, la valeur ajoutée, je ne vous fais pas l'offense d'un cours de compta, mais qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée? Souvent, on dit la valeur, c'est le prix, mais ce n'est pas vrai. La valeur ajoutée, c'est mon produit moins les charges que je paye. C'est ça, la valeur ajoutée. Et ça sert à quoi? Un petit peu à payer la puissance publique, mais surtout les investissements et le travail, que ce soit le travail salarié ou pour l'agriculteur, le travail du chef d'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est une donnée très intéressante. C'est le total de mes produits, moins le total de mes charges payées, et ça sert, ce n'est pas tout à fait vrai, mais je schématise, et ça sert à payer le travail et l'investissement. Donc la valeur ajoutée, c'est assez complexe. Comment ça évolue? La répartition de la valeur ajoutée dans la chaîne alimentaire, donc là vous l'avez sur presque 20 ans, à partir des données de l'Observatoire des marges, des prix et des marges. Bon, vous voyez que en indice, la part de l'agriculture diminue, hein, puisqu'on est passé d'un indice 100 à un indice 75, quelque chose comme ça en 2014, les derniers chiffres connus. Je schématise à la hache. Vous regardez que sur l'industrie, le service et le commerce, il y a des variations, mais finalement en tendance pas si importante que ça, et moins importante que l'idée qu'on en a en général. Par contre, un élément dont on parle très peu, c'est que ce qui augmente régulièrement et de manière importante, ce sont les importations. Alors on est très fiers de l'excédent agroalimentaire, mais les importations dans la chaîne de valeur alimentaire augmentent régulièrement. Que ce soit les importations de produits finis alimentaires, mais aussi les consommations intermédiaires, notamment pour l'agriculture, et en particulier dans l'alimentation du bétail. Donc la notion d'importation, dont on parle peu, est très marquée dans l'évolution de la valeur alimentaire. Si on balaye rapidement chacun des maillons, je dirais, la consommation alimentaire en valeur, en volume, pardon, sur 10 ans, pas tout à fait 10 ans, augmente chaque année, hein, alors qu'on a l'impression que ça baisse avec cette part des revenus. Simplement, ça augmente moins vite, ça augmente en tendance sur le long terme, ça augmente moitié moins vite que la consommation totale. C'est pour ça que la perte diminue. Mais en valeur, ça augmente, avec un cas très particulier que je ne saurais pas vous expliquer, c'est que depuis le début de l'année, pour la première fois, ça baisse un peu. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, par contre. Les prix. Vous avez en bleu les prix, l'indice général des prix de détail, de la consommation, en gros l'inflation, qui a augmenté sur la période de 25 ans d'à peu près 49%. Et vous avez en rouge les prix alimentaires, donc grosso modo, ça suit. Bon, ça pèse à peu près pour 20% hein, dans l'indice, mais ça suit, contrairement aussi à l'idée que l'on en a. Alors avec des ajustements, hein, année par année, il peut y avoir des notamment là sur 2015-2016, ça a un peu baissé. Donc les prix, la consommation ne baisse pas et l'indice des prix suit à peu près l'indice global. Par contre, la consommation alimentaire évolue et quelque part c'est le client qui est roi. Sur ce dont on parle, j'ai oublié de dire, n'oublions jamais que quand on raisonne chaîne alimentaire, on raisonne sur le marché intérieur. Je vous rappelle qu'on exporte 30% de nos cochons, 40% de notre lait pour parler des grandes productions de l'Ouest, et 50% de nos céréales. 95% du cognac, mais on ne produit pas de cognac chez nous. Donc, la consommation évolue. Là, vous avez, je ne vais pas vous commenter, mais simplement, ce qui est important, c'est le gris en haut, ce sont les autres produits alimentaires, notamment les produits transformés, qui augmentent. Et ces produits transformés ont comme particularité qu'une part de la valeur, une part plus importante de la valeur, n'est pas dans le produit de départ, puisque c'est dans la transformation. Mais également, un autre phénomène important, c'est l'augmentation du poids de la restauration hors foyer.
Aujourd'hui, 25% de la consommation n'est pas prise à domicile. Il y a 50 ans, c'était 14 ou 15%. Et ça, ça a deux conséquences, à mon avis, en grande analyse. Le premier élément, c'est que, bien sûr, là-dedans, il y a davantage de services que de produits. Ça explique aussi ces évolutions tendancielles. Le deuxième élément, c'est que c'est une part de consommation qui ne passe pas par le commerce, et notamment pas par la grande distribution, ce qui est un des éléments qui met la grande distribution en tension actuellement. Justement, le deuxième maillon, j'ai très peu de temps, donc je vais très très vite, c'est la grande distribution. Vous avez là l'évolution sur 20 ans du chiffre d'affaires en évolution, annuelle de la grande, des grandes surfaces alimentaires. Et vous voyez, donc c'est un indice 100, je ne sais plus trop en quelle année, peu importe, vous voyez que depuis 2011-2012, le chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires n'évolue plus. Ça explique aussi fortement les tensions qu'il y a. Quand des acteurs bougent, c'est qu'il y a des raisons. Donc la consommation qui passe par la grande distribution n'augmente pas, de par l'évolution du mode de consommation, et notamment la restauration hors foyer, qui devient un concurrent de la grande distribution. Plus, bien sûr, les nouvelles formes de commerce qui sont en train d'apparaître. Et donc la grande distribution, bien sûr, ne reste pas inactive, et notamment depuis, vous avez là l'évolution relative sur un an des prix par type de marque. Vous voyez que jusqu'en 2012-2013, toutes les courbes étaient parallèles, et depuis 2013, avec aussi un effet des lois sur le commerce, les prix, selon qu'on est en grande marque, ce qui est en bleu, où on a une tendance à la baisse, et les marques de distributeurs et les premiers prix où on a une stabilité ou une tendance à la hausse. Donc la grande distribution différencie beaucoup plus ses politiques de prix en fonction des marques, des types de marques que précédemment. Du côté de l'industrie agroalimentaire, je vais être très très rapide. Un signal qui me paraît dont vous avez entendu parler, mais qui me paraît très inquiétant, c'est vous avez là sur c'est des chiffres de l'ANIA hein, sur récents de 2017. Vous avez en bistre, la productivité du travail qui baisse. La productivité horaire du travail baisse dans l'industrie agroalimentaire. Donc ça, c'est un facteur de décompétitivité, je ne sais pas si le terme existe, mais majeur. Je le mets en corollaire avec des chiffres que fournit le Crédit Agricole qui montrent qu'aujourd'hui, les investissements ne couvrent pas les amortissements. Donc l'outil de production vieillit. Les deux sont à mettre en parallèle. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas favorable, même inquiétant, pour l'avenir au niveau de l'industrie agroalimentaire, dont je vous rappelle, il y a 45% coopérative et 55% privée. Au niveau de la production agricole, la valeur ajoutée de l'agriculture française, donc là, vous êtes en milliards d'euros, donc elle est, au dernier chiffre 2017, elle est à 35 milliards, c'est en gros la moitié du chiffre d'affaires à peu près. Hein. Le taux de valeur ajoutée dans l'agriculture, c'est à peu près la moitié. Pour 70, 72 milliards de chiffre d'affaires, il y a 35, 36 milliards de valeur ajoutée. Donc jusqu'aux années 2000, elle baissait régulièrement. Depuis, elle se stabilise avec des écarts plus importants qu'avant, bien sûr liés aux variabilités de prix et, de par le changement climatique, aux variabilités de rendement. C'est le fruit d'une... Enfin, le fruit, entre guillemets, parce que le fruit, ça paraît positif. Enfin, c'est la conséquence du fait que depuis, pour X raisons, depuis, en gros, la fin des années 90, le volume de production de l'agriculture française n'augmente plus. On a une production qui est stable en volume. Et donc, les variations sont liées aux variations de prix. Par contre, quand on regarde la valeur ajoutée par actif agricole, et donc ce qui amène assez rapidement au revenu derrière, augmente régulièrement, notamment depuis le début des années 2000-2005. Elle augmente régulièrement, et je vous ai mis en vert là, la période récente,
ou la valeur ajoutée et au final le revenu par agriculteur a plutôt tendance à augmenter en tendance, mais avec des variations interannuelles bien plus importantes que par le passé. Donc on ne doit pas gérer son exploitation de la même manière, mais aussi ça montre la formidable contribution des agriculteurs à la compétitivité de la chaîne alimentaire française. Puisque autant la compétitivité par heure de travail, la productivité dans l'industrie baisse, dans l'agriculture, elle augmente fortement. Mais elle augmente fortement et de manière aujourd'hui controversée. Puisque qu'est-ce qui fait augmenter cette valeur? Ce sont les intrants chimiques, la génétique et le machinisme, qui sont aujourd'hui globalement contestés par la société. Par contre, et là ce sont des chiffres de Serre France, ce qui est, et à mon avis, la vraie crise aujourd'hui qu'on a en matière agricole, c'est la diversité des performances. Vous avez là la valeur ajoutée par unité de travail, sur l'axe horizontal, on est en production laitière. Hein, la première pastille jaune, c'est 15 000 euros par travailleur, et la seconde, c'est 45 000. Donc on est dans un rapport de 1 à 3, et vous voyez que là, en gros, on a à peu près la moitié des exploitations du Grand Ouest qui font partie de l'échantillon. Donc c'est un enjeu majeur, cette diversité. Pour conclure, donc là, je vous ai fait des constats. Je voudrais vous faire partager, puisque l'occasion m'est donnée, trois idées qui me tiennent à cœur sur cette notion de valeur en agriculture au sens large, alimentaire. Première chose, et je reviens sur ce que j'expliquais au démarrage, pour moi, la valeur, donc c'est la valeur ajoutée, c'est les produits moins les charges. Et les produits, qu'est-ce que c'est? C'est un prix, bien sûr. Et c'est un volume. Et le prix, qu'est-ce que c'est? Il est dépendant de la production que je fais, de l'image que je mets dessus, donc ce que le consommateur est prêt à payer. Et les charges, c'est pareil, hein, c'est le volume de mes achats multiplié par les prix. Donc c'est la combinaison de tout ça et donc qui crée la valeur à tous les niveaux. Et donc ça, ce sont des choix d'entrepreneurs. Ce sont des choix d'entreprise. Sur le prix, il peut y avoir des éléments de régulation. Les gens de l'INRA, il y a eu une mission qui a été commandée par le gouvernement qui montre qu'après la LME, les prix des grandes marques, des marques nationales, ont baissé entre 2 et 2,5% sur la durée. Donc c'est important, mais il faut le ramener à sa proportion. Ce n'est pas majeur par rapport aux évolutions globales. Donc la valeur, elle est créée par les entreprises. La deuxième idée, je vais peut-être vous choquer, et de mon expérience de chef d'entreprise pendant 20 ans, 25 ans, je crois que d'abord, la valeur, ça ne se décrète pas, ça se construit, c'est ce que je vous ai montré. Et je pense que la valeur, c'est comme le pouvoir, ça ne se partage pas. Le pouvoir, ça ne se partage pas, ça se délègue. La valeur, ça ne se partage pas, ça se négocie. Ça se négocie dans l'intérêt à long terme de chacune des parties. Et enfin, la conclusion finale que j'en tire, c'est que cette valeur, c'est le fruit de la construction des chefs d'entreprise, que ce soit individuellement et sans doute de plus en plus collectivement, et à mon avis collectivement sur deux plans, la filière, mais aussi le territoire. On voit bien qu'il y a des territoires qui construisent de la valeur plus que d'autres. Je vous remercie. Merci Jean-Marie. Céroni, agroéconomiste, merci pour cet exposé et pour avoir presque tenu les temps. Voilà, je précise que vous sortez un livre bientôt, ou je ne sais pas s'il est sorti ou pas, voilà, qui s'intitule « Paquet mondialisation, une politique européenne encore commune ?» Point d'interrogation. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter cet ouvrage. Je vais demander à Olivier Alain de venir me rejoindre. Il est le coordinateur des états généraux de l'alimentation. Merci à lui, vous pouvez l'applaudir. Bienvenue. Bonjour à tous. Alors, monsieur Alain, dans deux jours, la loi sur les OGA sera votée en première lecture, je crois, à l'Assemblée nationale. En quelques mots, c'est quoi les grandes lignes de cette loi ? Je crois que c'est indiqué par les images que vous avez montrées en début d'émission. C'était le discours de Rungis. Deux choses. Retrouver du prix, ce qui n'est pas très simple dans un monde mondialisé, globalisé. On sait que pour avoir des prix, naturellement, il faut avoir de la pénurie de marchandises.
On le voit dans le grain, aujourd'hui, avec ce qu'on connaît de la sécheresse. On l'a vu il y a quelques années dans le porc, avec une pénurie mondiale. Et donc l'idée du chef de l'État, c'était de réunir tous les acteurs de la production, de la transformation, de la distribution, pour, dans ce magma de globalisation, de prix bas, comment peut-on quand même trouver des prix? C'est pas ça, mais les États généraux, quelque part, ont été construits vraiment de façon très transversale. On reproche des fois au président de la République d'être vertical, mais pour le coup, ici, c'est très transversal, c'est très ascendant, et le discours que vous avez vu, tout petit morceau tout à l'heure, quelque part, c'est le résultat, s'il a fait l'unanimité, c'est le résultat de toutes les parties prenantes. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez cohérent. C'est fragile, mais cohérent. Cette loi, elle a généré des impatiences, voire des frustrations. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Forcément que les agriculteurs sont impatients, juste titre, puisqu'ils n'ont rien vu. La loi n'est pas votée. Elle va être votée en seconde lecture, donc le 12. Après, il va y avoir, par ordonnance, ce qu'on pourrait appeler l'arme fatale. Hein, c'est donc la hausse du SRP et le contrôle des promotions qui vont permettre de créer de la valeur, c'est-à-dire un petit peu d'inflation qui va d'abord arriver chez les distributeurs et qui, derrière, avec nos industriels, devront aller la chercher avec ce qu'on appelle le prix inversé pour récupérer cette valeur-là et qu'elle vienne in fine chez les agriculteurs. Alors, suite à ces états généraux, vous avez annoncé en Bretagne il y a quelques jours que vous alliez faire un tour de France des préfectures. Pourquoi ce tour de France et qu'est-ce qui doit en résulter finalement de ce tour de France des préfectures? Il y avait 4 engagements électoraux, donc c'était les états généraux, le grand plan d'investissement de 5 milliards, il y avait aussi des engagements sur la fiscalité et sur une loi foncière. Donc ici on est au deuxième promesse, c'est d'avoir un grand plan d'investissement réorienté pour justement transformer le modèle agricole. Toujours pareil, hein, les états généraux, donc il y a eu un volet sur la partie prix, un autre sur la volet le bien manger quelque part, ou la montée en gamme, parce que tout ça est cohérent. Et qu'on s'est dit quelque part, et l'ensemble de la profession agricole s'est dit que si on veut continuer à courir après les Espagnols en porc, par exemple, qui sont les plus compétitifs d'Europe, ou les Polonais en volaille, en faisant un produit plutôt bas de gamme, c'est pas dit que la partie soit gagnée. Profitons de l'image de marque de la France, qui a une renommée par sa gastronomie. Hein. Paul Bocuse est décédé, mais c'est une image à l'international et en France qui est très très forte. Comme les Allemands avec leurs marques BMW, Mercedes, qui sont plus chères, mais qui vendent dans le monde entier. Profitons de cette image de marque, de cette montée en gamme, de ce savoir-faire pour légèrement, pas faire que du bio, bien entendu, mais monter en gamme, parce qu'il y a une vraie attente consommateur à ce niveau-là. D'accord. Alors, revenons sur le Tour de France des préfectures. C'est quoi ? C'est pour déceler dans chaque région des projets, justement, que vous auriez envie de soutenir et qui portent notamment sur une montée en gamme ? Tout à fait. Sur les 5 milliards, il y a 19 boîtes à outils. Il y a les anciennes, hein, anciennes qui ont montré leur performance, le PCAEA, les MAE qui sont maintenus, plus d'autres boîtes à outils qui sont de l'ingénierie financière pour des projets de transformation. Par exemple, le premier projet qui a été aujourd'hui labellisé GPI, hein, il vient du Grand Est. Le porteur de projet s'appelle Direct Market. Il se veut être le Amazon du circuit court. Et donc, on l'a bichonné un peu ce dossier, c'était le premier. Il va bénéficier de 170 000 euros de garantie bancaire et 30 000 euros de subvention de la région française, pour le coup, pour essayer de développer justement ce développement du circuit court par du digital à grande échelle. Alors, on le voit, ça porte, là, par exemple, ce projet porte sur le digital, ça ne veut pas dire que ce n'est pas uniquement agricole, c'est un peu plus large que ça. C'est agricole et agroalimentaire et forestier. Donc, il n'y a pas de... Je crois que quelqu'un qui a un projet de transformation du modèle agricole, par exemple en porc, il y a des éleveurs aussi qui ont envie de transformer leur modèle, hein, qui ont été aux Pays-Bas, qui ont vu des modèles très poussés au niveau du bien-être, qui ont beaucoup d'investissements, qui vont des fois parfois arriver jusqu'au million d'euros. Une subvention de 30 000 euros dans le cadre du PCEA n'est pas suffisante, mais ici, l'État va se porter garant en fonds de garantie des prêts pour... au cas où le banquier serait un petit peu fragile, un peu hésitant pour garantir ces investissements lourds. D'accord. Et risqués. Mais justement, comment est-ce que vous allez sélectionner les projets? C'est quoi les principaux critères pour rentrer justement dans le cadre de cette enveloppe? Il faut, par exemple, le principal critère, il faudra que l'investissement corresponde à 50% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un critère assez bien précis,
assez bien arrêté. Et en fait, ce seront, pour tout ce qui enveloppe d'ingénierie financière, ce seront les préfectures de région, les DRAF, qui sélectionneront les dossiers, si on peut dire. Pour conclure, le planning, c'est quoi les, tout ceci doit être bouclé d'ici quoi, les 12 prochains mois, ou vous laissez un peu plus de temps? Beaucoup plus rapidement que ça. Hein, donc le tour des régions pour présenter la boîte à outils et faire émerger les projets. C'est le prochain trimestre ici et tous les outils seront opérationnels donc dès le 1er janvier ou dès début janvier 2019. Merci Olivier Alain, coordinateur des États généraux de l'alimentation et également vice-président de la région Bretagne, je le rappelle. Alors justement, un an après ces États généraux de l'alimentation, quelles conséquences concrètes pour les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires? C'est l'objet de cette première table ronde avec Christian Couillot, le directeur général d'Even, qui va me rejoindre, Serge Lebartz, président du groupe Dossi, Stéphane Létué, le directeur de l'association des poulets de Janzé, ou du poulet de Janzé, enfin je pense qu'il y en a plusieurs, et Nicolas Grandsart, avocat au cabinet Fidal. Et pour vous interroger, André Thomas, le responsable du service agriculture au groupe Ouest-France. Bienvenue messieurs, je vous en prie, prenez place derrière le desk. Je vais rajouter un micro. André, oui. Bonjour à tous. J'ai donc le plaisir d'animer cette table ronde sur le bilan que l'on peut tirer des états généraux de l'alimentation. Olivier Alain en a rappelé les grands enjeux. Comme il le disait, le projet de loi du gouvernement revient au Parlement après un premier échange entre l'Assemblée et le Sénat au printemps et cet été. Échange, on va dire, qui a montré toutes les lignes de fracture qu'il pouvait y avoir entre les uns et les autres, parce que finalement, ce projet de loi né sur la volonté d'améliorer le revenu des agriculteurs s'est révélé être une vraie boîte de Pandore, puisque l'alimentation, ça touche l'agriculture, ça touche à l'alimentation, ça touche à l'alimentation des enfants dans les cantines scolaires, ça touche au bien-être animal, à l'environnement, à l'économie, à la santé, bref, un ensemble de thématiques qui déchaînent les passions et les militants de tous bords, puisque d'ailleurs on a eu 2000 amendements à l'Assemblée pour le premier examen. Donc cette loi arrive, revient au Parlement à partir de mercredi. D'ailleurs, Olivier Alain a dit que c'était en dernière lecture à l'Assemblée, mais je ne sais pas si c'est effectivement le cas ou si, parce que le Sénat, d'après ce que j'ai compris, prévoit un passage aussi le 25 septembre. Donc ça veut dire qu'on a encore une navette. Hein, donc c'est plutôt, voilà. Ce qui veut dire aussi que le temps tourne et que peut-être les choses ne sont pas prêtes pour les négociations de fin d'année qui vont commencer en novembre et qui doivent se boucler au 1er mars. Ce n'est pas un point de détail étant donné le contexte. Pour aborder ce sujet, eh bien, nous avons réuni des spécialistes de la filière. Christian Couillot donc, est le directeur général d'Even. 1300 agriculteurs, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, coopérative bretonne bien connue. Serge Lebars, vous êtes le président de Dossi, 9000 agriculteurs adhérents, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et bientôt, ces chiffres seront à voir à la hausse puisque vous êtes en cours de fusion. Je ne sais pas exactement où elle en est, mais enfin, elle est quasiment faite puisque vous êtes en train de vous marier avec une autre grande coopérative bretonne qui s'appelle Triskalia. Stéphane Létué, vous représentez des acteurs qui sont considérables par la qualité de leurs produits, un petit peu moins par le poids économique, même si dans la région de Janzé, le poulet qui porte son nom est très apprécié et très important pour quand même 170 éleveurs. Et enfin, Nicolas Grandsart, vous êtes donc avocat, vous êtes membre du cabinet Fidal, qui est le premier réseau d'avocats d'affaires en France, avec 1400 avocats qui seront sans doute, pour certains d'entre eux, mobilisés avec les nouvelles règles de négociation commerciale qui vont s'appliquer d'ici quelques temps dans la filière. Alors, première question que je lance un petit peu au débat collectif, eh bien, c'est rappeler que le point de départ de cette loi, de ce projet de loi des États généraux de l'alimentation, c'est l'amélioration des revenus des agriculteurs dans ce qui paraît aujourd'hui à peu près acquis dans les débats parlementaires. Qu'est-ce qui vous paraît important à retenir? Qui veut commencer? Christian Couillot, peut-être? Waouh, c'est pas facile de commencer. Bon, alors si je dois commencer, je dirais que je vais peut-être évoquer après des doutes
ou des interrogations. Mais je voudrais dire que mes doutes sont constructifs, parce que je pense que cette démarche, elle était absolument nécessaire, et c'était courageux et responsable de la lancer. Voilà. Pour autant, on voit bien que, alors même que c'est à la, donc demain, après-demain, pardon, à la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, c'est loin d'être fini. Parce que, et je regarde Olivier Allain, même après la lecture de la loi, il restera des ordonnances et des décrets qui seront absolument essentiels sur qu'est-ce que c'est que les prix abusivement bas, sur comment va-t-on répercuter les indicateurs qui sont à ce jour non définis des produits agricoles, du coût de revient des produits agricoles dans les différents contrats de vente, ou sur encore la capacité à mettre, comme on dit, des externalités positives dans les appels d'offres publics, en termes, en clair, avoir des prises en compte, par exemple, de l'environnement. Donc on voit qu'il ne faudra pas réduire le fait que dans quelques jours, la loi soit votée pour dire « ça y est, c'est fini ». Pour nous, hommes de métier, non, ça commence. C'est comme si on disait « je construis une voiture électrique, j'ai dit qu'il y avait un moteur électrique, donc c'est bon ». Ben non, le problème, c'est les batteries. Et donc, je veux dire que ça commence parce qu'il y a des choses que je n'y vois pas clair. Voilà, je n'y vois pas clair. Je peux me permettre de dire au moins un point sur le point sur lequel je n'y vois pas clair. C'est qu'est-ce qui va se passer pour des filières qui sont à la fois vendeuses sur le marché extérieur et puis importantes sur le marché intérieur. Jean-Marie Serroni a dit tout à l'heure 95% du cognac est vendu à l'export. Bon, ça c'est clair, c'est une filière qui exporte. C'est important que la France garde une balance commerciale positive en matière d'agroalimentaire. Mais si on prend par exemple un domaine que je connais bien, puisqu'avec les 6000 salariés, tous les jours on défend le revenu des agriculteurs, sur la marque paysan breton notamment, sur de l'emmental. On a passé nos contrats de vente, les indicateurs. Nous avons donc clairement une relation avec, on peut espérer en tous les cas, la distribution qui nous permette de répercuter ces coûts, les coûts de production. Et voilà que dans un monde volatile, ce qui est le cas de pratiquement toutes les filières, notamment du lait, nous sommes en pied de cycle. Et donc, le prix du lait dans le nord de l'Europe, mettons par exemple en Hollande, qui sont des très bons agriculteurs et très bons industriels, est plus bas que le nôtre. Le Hollandais, dont le prix du lait, pour lequel l'Emmental a un prix de revient inférieur, puisqu'on est dans le cycle de la volatilité, alors que nous, on peut espérer avoir amélioré le prix du lait. Qu'est-ce qu'il va faire, le Hollandais? Il va naturellement s'intéresser au marché français. Il va donc aller voir un grand distributeur et pour lui dire, voilà, moi j'ai un mélange qui sert à faire de la pizza, qui est râpé, voilà, et qui est pas mal. Et il va le proposer à un prix, à un contrat de vente. Il ne sera pas nécessairement le contrat de vente inscrit dans la loi française, puisque nous sommes dans un marché ouvert au sein de l'Europe. Donc comment allons-nous réguler ça? Ça, c'est la première chose au niveau juridique. Et même le distributeur, parce qu'une loi, c'est bien, mais il y a ce que nous en faisons de la loi. Même le distributeur, qu'est-ce qu'il va faire en termes de facing, en termes d'exposition de ses produits? Il peut respecter la loi, il peut respecter les contrats qu'il aura signés avec nous. Mais ne serait-il pas tenté, à ce moment-là, de placer l'Emmental Production France, pour ne pas faire de la pub comme j'ai commencé à faire tout à l'heure, tout en haut, là. Vous savez, où il faut un escabeau pour aller chercher en haut des rayons, alors, parce qu'il est plus cher, alors que naturellement, eh bien, il va mettre, du coup, en bas de rayon, naturellement, à portée de la main de la ménagère ou de l'enfant, l'Emmental Importation Europe. Voilà. Ou réduire le volume des expositions en rayon. Donc on voit que même quand le cadre de la loi, parce qu'une loi, c'est pas... Une loi, c'est ni romantique ni romanesque, hein. C'est quand même un cadre auquel nous devons évidemment nous conformer, même quand la loi aura été signée, que les ordonnances, quelles seront-elles, et, comment dirais-je, et les décrets en seront parus, pour autant, ça ne sera pas fini, donc il faudra une vigilance de toutes les parties prenantes, mais c'était bien d'avoir tenté, et surtout, on a vu que c'était compliqué. C'est encourageant. On a l'impression que vous décriviez la ligne Maginot, c'est-à-dire qu'on a une défense parfaite, sauf qu'il suffit de passer à côté, quoi. Serge Lebars, qu'est-ce que vous en pensez? Vous partagez, ma question, c'était les points acquis qui sont plutôt source d'optimisme. Bon, la réponse est une douche froide. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que président d'Odossi? Je partage effectivement ce qui a été dit tout de suite avec Christian Couillure. Bon, féliciter le travail qui a été fait sur les états généraux et puis surtout d'avoir mis le dossier sur la table.
Bon, maintenant, je pense que les travaux ne sont pas terminés, il reste encore des choses à faire. Je pense que l'objectif, déjà aujourd'hui, j'espère que l'ensemble des acteurs des filières de la distribution ont bien pris conscience du problème et que si tout le monde a réellement pris conscience du problème, ils sauront mettre en œuvre donc les éléments nécessaires pour partager cette valeur, donc rééquilibrer la valeur entre l'ensemble de la filière, les producteurs, transformateurs et la distribution. Et je rappellerai simplement que bien souvent, il ne s'agit que de quelques euros à la production, quelques euros au kilo, quelques euros au litre, pour permettre notamment aux producteurs de sortir à un prix décent ou aux transformateurs également d'équilibrer ses comptes. Je pense que les premiers objectifs sont là, il reste encore des choses à faire, et puis bon, ce sera tout le monde un peu de mettre un peu, je dirais peut-être pas les mains, la main à la poche, mais au moins la main à la patte, et puis continuer à construire le projet. Alors, une information quand même au passage, parce que j'ai douté tout à l'heure sur l'histoire de la navette parlementaire de la loi. J'ai posé la question au cabinet de Stéphane Travert, et donc c'est navette avec lecture définitive à l'Assemblée début octobre. Donc il y a bien un tour de manège encore complet en passant par le Sénat. Une chose est acquise malgré tout dans tout le dispositif législatif qui est débattu, c'est qu'on veut mettre un terme aux promotions excessives, mais est-ce que finalement, alors hausse du seuil de revente à perte, encadrement des promotions, etc., est-ce que finalement on est certain que ça va retomber automatiquement au profit du producteur? Peut-être un regard de juriste. Merci. Alors l'automaticité qui viendrait dire que ça tomberait automatiquement dans la poche de l'agriculteur et du producteur, certainement que non, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça et ça ne peut pas marcher comme ça sur l'angle juridique. Et ce qui a été dit tout à l'heure par M. Couillot, je partage complètement, c'est qu'on ne peut pas avoir une approche juridique de ce type de question sans avoir énormément de recul. Et donc le recul, il est à la fois géographique et donc européen, et il est nécessairement aussi juridique. On sait d'expérience que ce type de texte très technique et très focalisé sur un secteur donné est souvent très compliqué à appliquer. Et je reviens également sur ce qui a été dit tout à l'heure, que les textes d'application seront fondamentaux pour donner une simplification, le cas échéant, et un éclairage le plus précis possible sur comment les textes doivent être lus et comment les textes doivent être appliqués et par les acteurs et par l'administration. Si on n'a pas cette clarté, on a déjà eu l'expérience à maintes et maintes reprises dans des réformes du code rural notamment, les textes ne sont tout simplement pas appliqués du tout. Et quand bien même un texte aurait été pris avec les meilleures volontés du monde et avec une rédaction qui satisfait peut-être l'ensemble des parties, si son interprétation prête le flanc à la critique, les parties détestent cette incertitude juridique et feront en sorte de se détacher de l'application du texte. Donc ça, c'est un point fondamental. L'autre élément qui est un élément nécessaire à prendre en compte en l'état actuel du droit positif, c'est le droit de la concurrence. Et quand vous dites l'exemple tout à l'heure, c'est le néerlandais, je crois, qui arrivait avec un prix extrêmement compétitif, en l'état actuel des choses, il est extrêmement compliqué de privilégier une production nationale. Quand bien même, elle aurait des caractéristiques peut-être meilleures que des produits importés et surtout des produits importés au sein de l'Union européenne. Parce que pour le coup, on se heurte de manière frontale à des règles de libre-échange et à des règles de libre circulation des biens et des marchandises et que toute mesure qui viendrait à privilégier des produits nationaux viendrait se heurter de manière frontale à ces règles de droit de la concurrence. Donc c'est dans ce contexte que ce texte intervient. Alors encore une fois, je pense que l'ensemble des personnes présentes autour de la table aujourd'hui saluent l'initiative et la richesse des débats. Et après, simplement pour conclure ce propos, je reviendrai sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le plan économique et qui est à mon avis un élément fondamental, c'est-à-dire que la valeur se négocie. Et je pense que c'est l'élément clé dans le secteur agroalimentaire. Et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que, si je réponds à votre question initiale, qui est de dire est-ce que la valeur va redescendre automatiquement ? Non. La répartition de la valeur se négociera. Et c'est là que les acteurs doivent, on va dire, appréhender l'outil juridique. La loi ne sera jamais qu'un outil.
et ne pas oublier qu'elle s'inscrit dans un cadre général, le droit de la concurrence, et des textes généraux qui, à mon sens, sont parfois plus efficaces que les textes spécifiques. Je pense notamment à la réforme du droit des contrats, qui impose un devoir de loyauté, un devoir de transparence beaucoup plus fort que ce que nous connaissions auparavant, et qui, dans le cadre de négociations, peuvent être un outil extrêmement précieux. Stéphane Letuy, vous avez une problématique peut-être un peu différente de celle des très grands groupes agroalimentaires. Les produits de Janzé, ça fait partie de ces produits, comment dirais-je, plutôt dans le haut de gamme. Il y a quelque temps, j'ai même fait un reportage sur la production du poulet bio chez vous. Je ne me souviens plus du prix au kilo, mais c'était assez élevé. Donc on est bien dans cette logique du haut de gamme voulue par le président Macron comme une sorte de solution. Est-ce que vous pensez que l'encadrement des promotions, c'est quelque chose qui peut vous servir à vous, alors que vous êtes a priori plutôt le genre de produit que normalement les distributeurs s'arrachent parce qu'ils sont attachés à ces produits locaux? Merci. Effectivement, nous sommes orientés sur le haut de gamme avec notre coopérative. Je rejoins globalement tout ce qui a été dit par mes collègues. Il y a un élément dans lequel je crois un peu plus avec ces états généraux, c'est effectivement tout ce qui est vérifiable facilement par l'administration. Encore faut-il que ce soit fait, mais notamment l'encadrement des promotions, l'interdiction du 1HT, 1 gratuit, ça c'est des éléments qui sont assez faciles à vérifier et je pense qu'ils seront plutôt profitables pour nous et pour tous ceux qui ont des marques. Parce que ce qu'on peut mettre en évidence, c'est que globalement, la grande distribution, lorsqu'elle fait une opération de communication pour attirer le client dans son magasin, elle va souvent faire une animation en faisant du 1HT, 1 gratuit sur des produits de grande marque. Elle ne fait pas sur le produit MDD. Et donc, à partir du moment où on communique, où on met en avant et on réussit à créer de la valeur, on le fait savoir. Et derrière, malheureusement, parfois, eh bien, il y a notre partie de la valeur qui est où le consommateur ne se retrouve plus, puisque tantôt notre produit il est vendu avec moins de 10% de marge de la part de la grande distribution, d'où l'intérêt aussi de relever le taux de revente à perte, le seuil de revente à perte. Moi, je trouve que c'est des éléments qui sont importants et qui me semblent vérifiables. Et donc, forcément, en limitant le 1HT1 gratuit, on interdira aussi des choses qui sont nuisibles à ceux qui créent de la valeur. Donc, je suis vraiment optimiste et j'espère que ça va nous servir. Sur, effectivement, l'inversement de la construction du prix, j'ai beaucoup plus de mal à y croire. Maintenant, il faut y croire, ce n'est pas encore lancé. Alors justement, revenons-y, ça fait partie des sujets qui ont beaucoup, beaucoup agité, notamment dans le monde laitier, d'ailleurs, les débats. On aura demain dans West France une interview de Damien Lacombe, le président de Sodial, qui dit « Pour moi, les indicateurs, ça sera réglé. » Christian Couillot, vous avez l'air de dire ce que vous disiez tout à l'heure, vous n'avez pas l'air si sûr de ça. Alors, est-ce qu'on peut y revenir? Comment est-ce qu'on va construire ce contrat à partir d'un coût de revient qui serait le même pour tout le monde, sans pour autant prêter le flanc à des problèmes de pratiques anticoncurrentielles? Je crois que c'est ça. Enfin, si Damien sait comment c'est réglé, ben c'est très bien. Je saurai demain, parce que pour ma part, ce n'était pas encore complet. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas complètement compris. Je crois que je ne suis pas le seul. J'ai vu un industriel laitier tout à l'heure dans la salle. Je crois qu'il était comme moi pour l'instant en train de chercher encore des solutions. Je crois que c'est ça le mot. C'est le problème du droit de la concurrence. C'est le mot que vous avez employé. C'est le mot que Maître Grandsart a employé. Et alors, parce qu'on ne va pas que se dire que des choses que, où tout le monde, même si la démarche est bien, où tout est bien. Non, je pense qu'on a été bloqué un peu dans ces démarches-là. Sur la loi EGA par un cadre européen sur le droit de la concurrence que dans le temps imparti nous ne pouvions attaquer. C'est-à-dire, je crois que dès le départ, au lieu de courir avec nos deux jambes, on a couru à cloche-pied. Pourquoi? Parce que il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire et on a des risques importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe et France comprise, le droit de la concurrence est un droit extrêmement contraignant. Avec des capacités de définition d'indicateurs, de suivi d'indicateurs, qui sont quand même assez fragiles au regard de ce droit-là, et il ne s'agirait pas que dans le temps qu'on les mette en œuvre, là, c'est-à-dire dans les deux années qui viennent, et ensuite qu'après une plainte du nord de l'Europe, dans 3 ou 4 ans, on soit condamné.
Voilà, c'est des choses très concrètes pour nous, hommes d'entreprise. Et je trouve que ce droit de la concurrence, je peux me permettre, c'est quand même un droit qui est au bénéfice du consommateur, comme l'a dit le président Chêne Girard tout à l'heure, vraiment au bénéfice du consommateur. D'ailleurs, avec une forme d'alliance, avec une forme de capital, mais franchement, au détriment du travailleur. Voilà. Il y a la valeur ajoutée, c'est quelque chose qui se négocie, ça a été dit. Eh bien, on n'en sortira pas. De toute façon, l'équation de la filière, c'est qu'il y a des dizaines de milliers d'agriculteurs. Il y a quelques dizaines d'entreprises, il y a un oligopole de la distribution. Donc, de toute façon, dans le, je vais employer un terme juridique, le déséquilibre significatif, il est patent. Et donc, ce rapport de force, il demeure. Et je trouve qu'on aurait dû pouvoir déroger au droit de la concurrence pour le monde agricole, pour une démarche environnementale ou pour une démarche sociale. Moi, j'aurais rêvé que nous, en Bretagne, ou que nous, hommes de l'agroalimentaire, on puisse pendant un temps donné, c'est tout, pendant un temps donné, le temps de l'expérimentation et du lancement de nouveaux produits, faire comme une AOP en fromage, en Savoie, comme une IGP dans le jamon, dans le sud-ouest, ou encore comme la viticulture. C'est-à-dire, j'aurais rêvé que nous, coopératives, nous, industriels laitiers, on puisse s'entendre, je dis le mot, oui, s'entendre pendant un moment, pendant peut-être 3-4 ans, sur un cahier des charges, sur la chose, sur un volume, c'est-à-dire sur ce que nous allons, comment dirais-je, mettre en marché, et donc à l'évidence sur le prix. Expliquez-moi comment une AOP, appellation d'origine protégée, ne s'entend pas, puisque le prix et le volume, c'est de l'élasticité, hein, c'est comme un chewing-gum entre deux doigts. Bon. Donc, si on avait pu s'entendre sur le cahier des charges, le volume et le prix pendant 3-4 ans, je ne sais, sur du lait de pâture, sur un produit sans alimentation, sans OGM, sur une distribution équitable de la valeur, pendant 3-4 ans, on aurait fait ça ensemble, et à l'évidence, ça n'aurait coûté zéro franc public, et à l'évidence, ceux qui ont envie de payer pour cela, c'est-à-dire des militants qui pensent avoir de l'avance sur d'autres, c'est-à-dire des bobos qui sont contents de payer aussi, ils auraient financé plus rapidement cette mutation de l'agriculture française. Là, parce qu'il y a le cadre européen qu'il faut rappeler, le droit de la concurrence qui est brutal, qui coûte très cher et auquel nous, industriels, et la France en tant qu'État est obligée de se conformer aussi, on ne peut pas avoir cette phase d'expérimentation qui aurait été vertueuse en coût de finances publiques, je l'ai dit également, et en termes de mutation pour aller plus de valeur ajoutée. Donc je pense que le droit de la concurrence est quelque chose, il y a des élus dans la salle, qui est à remettre en question pour le monde agricole, pour l'environnement et pour le social, parce que donner du pouvoir d'achat aux consommateurs, c'est bien. Est-ce que ça le rend plus heureux? Peut-être, c'est pas sûr, mais ce n'est pas la seule vision du citoyen qu'il faut avoir. Christian Couillot, merci pour cette avancée fulgurante sur le domaine du droit communautaire, qui reste à confirmer. Serge Lebars, est-ce que vous partagez ce point de vue? Alors vous pouvez aussi vous exprimer sur un autre secteur que le lait, et puis peut-être qu'on peut ensuite recueillir le commentaire du juriste. Sur la construction du prix, la construction du prix d'achat, j'émettrai également un certain doute sur ce sujet-là. Je ne rentrerai pas dans le même débat que mon collègue Christian Couillure. Je dirais simplement que les prix de revient de l'ensemble des productions agricoles, on les connaît. Et j'ai bien peur qu'en mettant en place ce mode de calcul, on crée quelque part une usine à gaz, alors que les prix de revient de l'ensemble de nos productions, on les connaît déjà tous. Dans toutes les productions, comme ça a été précisé tout à l'heure, avec des grandes disparités entre les producteurs, entre un jeune investisseur et puis celui qui est à l'approche de la carrière, de sa fin de carrière, où des productions sont très largement amorties. Et je ne sais pas. Et puis après, ces éléments de construction du prix, c'est de donner peut-être aussi des choses beaucoup plus trop précises à nos acheteurs. J'ai un fort doute quand même sur la construction du prix. La notion d'entente, l'Europe a quelque part donné sa doctrine avec la fameuse jurisprudence Andive. Qu'est-ce que vous en pensez, cher consultant avocat? Je partage encore une fois tout ce qui a été dit. Alors, pour pratiquer le droit de la concurrence au quotidien, c'est un droit que je connais bien, voire très bien. Et effectivement, c'est un droit qui est à la fois très contraignant et, comme cela a été dit, très dissuasif, puisqu'aujourd'hui, il n'existe pas de risque juridique supérieur au risque concurrence. C'est le risque en cas de sanction
qui est la sanction la plus élevée qui existe, toute matière juridique confondue. Donc effectivement, c'est extrêmement dissuasif. Aujourd'hui, on a une situation européenne et française. C'est-à-dire que le droit de la concurrence est quasi identique, pour simplifier, en France et en Europe. Simplement, et si on s'attache effectivement au monde agroalimentaire, on va dire pour faire simple, français, on a quand même deux grandes spécificités. Un, le monde agroalimentaire français se heurte dans le cadre de ces négociations à la distribution la plus organisée au monde, ce qui est quand même une spécificité française, et un monde agricole qui a été aussi, peut-être, en France, l'un de ceux au monde et en Europe le plus encadré sur le plan normatif et sur le plan des investissements qu'il a dû réaliser. Et quand il était dit tout à l'heure sur le plan économique que l'entrepreneur était maître de ses investissements, j'y mettrais un petit bémol, notamment face à cet aspect réglementaire où on sait que de nombreux secteurs agricoles en France ont dû faire face à des investissements quasi imposés qui nécessairement amènent à des amortissements et qui sont parfois se heurtent à des retournements de marché, je pense notamment au domaine de l'œuf, bon, au hasard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, avec ce problème du droit de la concurrence, on l'a dit, le mot entente aujourd'hui est devenu un mot quasi proscrit, alors que dans certaines langues, je pense notamment même dans un pays francophone type le Canada ou le Québec, ils l'emploient comme synonyme de contrat. Si nous, chez nous, le terme entente, ne serait-ce que de le laisser traîner dans une boîte mail, ça peut déjà être très problématique. Et effectivement, aujourd'hui, on a cette problématique d'un secteur qui fait face à une distribution très organisée, je dirais qu'il joue son jeu, hein. Quand elle est prise la main dans le pot de confiture à faire des bêtises, elle aussi se fait sanctionner. Elle s'est structurée, elle est donc puissante, et elle a face à elle des offreurs qui ne sont pas en mesure, sur le plan juridique, de pouvoir s'organiser de la même manière. Alors vous avez parlé de la jurisprudence Andive, qui effectivement est très intéressante, qui est intervenue quasi concomitamment à un règlement dit omnibus au niveau communautaire, et qui a parfois laissé croire que nous avions une certaine libéralisation du monde agricole au regard du droit de la concurrence, ce qui est faux. Ces jurisprudences et ce règlement communautaire permettent une certaine liberté des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs. Et on vient nous dire, à l'intérieur de ces organisations, une certaine dérogation au droit de la concurrence est permise. Mais en aucun cas entre acteurs, c'est-à-dire entre organisations de producteurs ou entre producteurs qui ne seraient pas partie de la même organisation, aucune entente ou aucun accord, notamment sur les prix, n'est possible, et donc pas de négociation commune. Et là, effectivement, on sort une vraie difficulté. Une question à Stéphane Letuet. Le projet de loi comporte pas mal de paragraphes sur la relation entre les producteurs et les transformateurs, tout un aspect contractuel. Pour ce que vous en avez, vous, déduit à ce stade des textes, qu'est-ce que ça peut changer dans une organisation comme votre coopérative ? Alors chez nous, très sincèrement, rien. Parce que ça fait 10 ans que nous avons déjà des relations contractuelles avec notre transformateur, hein, donc qui interviendra tout à l'heure, la société LDC, avec qui effectivement, c'est vrai que c'est plus simple quand on est une coopérative de 170 producteurs à taille humaine, avec quelques produits, mais uniquement de la volaille, c'est beaucoup plus facile. On a réussi à mettre en place un système où, lorsque le prix des matières premières augmente ou diminue, puisque ça marche dans les deux sens, qu'il soit à la hausse ou à la baisse, on fait partager tous les éléments d'achat à notre transformateur et au moment de la couverture, eh bien, on valide le niveau de la couverture, c'est-à-dire j'achète du blé pour les 6 prochains mois, 20% de mon besoin, il vaut tel prix. Vous qui allez acheter ma volaille demain, est-ce que vous êtes d'accord avec ce prix d'achat de matières premières ? Ça va peut-être monter demain ou peut-être descendre. C'est un sujet d'actualité, d'après ce que j'ai compris. Et ça fonctionne. Maintenant, effectivement, c'est plus facile lorsqu'on est sur des filières hors sol qu'à mettre en place sur des filières laitières notamment. Mais en tout cas, ça fonctionne. En fait, on a des systèmes qui fonctionnent plutôt bien dans certaines filières du monde agricole. Alors, Gaël, alors, vous on disiez a beaucoup que... de... on peut prendre oui. quelques questions. Voilà. On a beaucoup de questions sur le fil Twitter. On ne va pas pouvoir évidemment toutes les prendre. On va en prendre pendant 5 minutes, fil Twitter et par SMS. Donc, je vous propose de nous envoyer les questions Twitter. Normalement, elles doivent arriver. Voilà, la loi va-t-elle en définitive servir à quelque chose ? Le témoignage de la table ronde ne me semble pas très optimiste.
Autrement dit, peut-elle faire évoluer de force les mentalités et les comportements, en particulier des distributeurs? Qui veut répondre? Une réponse rapide, Christian Couillot. Si, prise de conscience. Donc, toute transformation commence par la transformation des représentations mentales. Donc, je pense que là, les distributeurs ont bien compris qu'on ne pouvait pas continuer dans le pipe dans lequel nous étions. Pour autant, après, il y a la relation à la loi des parties prenantes. Pourquoi faut-il être, pour être acheteur chez un distributeur, faut-il être, allez, globalement un homme? C'est pas beaucoup de femmes, dommage. Ça changerait peut-être le contexte des relations pour prendre un peu de hauteur. Voilà, féminisons cette profession. Question suivante. Question suivante. Voilà, que penser de l'écart de compétitivité dans la production agricole? Facteur de 1 à 3 sur la valeur ajoutée. Aucun commerçant ni industriel ne peut résister sur un marché libre. Serge Lebars. Oui, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des écarts de compétitivité, que ce soit dans mon agricole ou dans le monde industriel. Ma foi, cet écart elle durera sans doute encore longtemps. Il y a déjà un premier point, c'est entre notamment, je l'ai dit tout à l'heure, un jeune qui investit et puis quelqu'un qui est en fin de carrière. Et après, la compétitivité, notamment dans un outil industriel, il faut aussi que les transformateurs gagnent de l'argent parce qu'ils ont besoin d'investir et pour investir, il faut gagner de l'argent. Merci de cette réponse synthétique. Autre question. Sur quel facteur agir pour exploiter la différenciation sans amener à exacerber la concurrence entre les couples producteurs-transformateurs, entre les régions agricoles françaises? Qui veut répondre? Déjà, il faut comprendre la question. Je ne sais pas si c'est une question. Allez, on va dire qu'il n'y a pas de compétition entre les régions agricoles françaises. Voilà, que chaque région a sa spécificité, c'est une belle réponse. Ça, c'est pour les élections aux chambres d'agriculture, tu dis ça, parce qu'il y en a quand même. Hein. Allez, bon, encore une ou deux questions, et puis on fera la pause. Voilà. Allez, quelle définition, quelle représentation se font les différents acteurs des filières de cette interrelation qui s'appelle négociation, puisque Jean-Marie Serroni dit que la valeur, ça se négocie. La négociation, ça se, c'est quoi ? Tout se négocie, c'est bien ça. Mm-hmm. Après, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer les distributeurs. Je pense qu'il faut aussi aller les voir. Faut aussi, enfin, si je parle en tant que président de coopérative ou agriculteur, faut aller les voir, faut aller discuter avec eux. Les états généraux, faut qu'ils nous amènent aussi. C'est le travail de tous. Et on a tous à y gagner. La société demande quelque part de changer de modèle de production. Et pour changer ce modèle de production, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et ça fait partie aussi d'une certaine négociation. Messieurs, merci de cette participation, de votre participation. On fait une pause. Merci à vous. On peut les applaudir. Voilà, on fait une pause, on va essayer de rattraper le retard puisqu'on a une dizaine de minutes de retard, rien de très très méchant. On fait une pause de 20-25 minutes et puis on reprendra les débats avec la deuxième table ronde sur la vente directe notamment des produits agricoles. Merci à vous.